Et salut tout le monde, Sonic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du spécial jeu Super Mario Bros. Wonder. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans le dernier épisode, nous avions terminé le cinquième monde, les mines fongiques. Aujourd'hui, nous en sommes au sixième, le volcan végétal. On avait commencé dans le dernier épisode, on n'avait pas fait grand chose, on avait juste fait un petit monde. Un petit niveau énigme. Il avait pris un petit bout de temps quand même, parce que la recherche dans ce niveau peut prendre du temps. Du coup, on va continuer aujourd'hui. Pour ça, il faut descendre, aller chercher des graines. Donc, nous sommes partis. Défi badge, grand soufflotant numéro 2. Alors... Ok. On ressent de nouveau le feeling de ce badge là. Non, 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 non! Ah, quoi? C'est chelou le... Ok, c'est bon. Bien. Très bien. Du coup, c'était un champi. Voilà. En fait, je crois que c'est dans les défis badge qu'ils les remettent pas les pièces. Enfin, qu'ils les remettent les pièces. Dans les, dans les niveaux normaux, les pièces, ils les enlèvent. On les a récup. Ah, elle tombe à la fin, d'accord. Je suis con. Non, mais moi, je me suis dit qu'il allait flotter tout seul. Ah merde, bon bah... Pas grave. Ah, faut juste pas que je me fail quoi. Nous espérons que vous avez fait bon voyage. Allez! Et voilà! Écoutez, vous savez quoi? Durant cet épisode, j'appelle à l'efficacité. Ok, on a un peu échoué sur ce niveau deux ou trois fois. Mais là, à partir de maintenant, c'est de l'efficacité. Ok? J'ai envie qu'un épisode soit efficace. Donc on va être dans l'efficacité dans cet épisode. Altesse, comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici avec cette végétation? Il y en a absolument partout. Je me pose la même question. Il ne voyait plus rien et on a bien essayé de se perdre. Entre le magma et la végétation hors de contrôle, la situation est vraiment devenue intenable. T'as dit, je trouve ceci. On met dans la végétation. Tenez, je vous le donne. S'il vous plaît, faites quelque chose, c'est un véritable calvaire. Regardez, efficacité, déjà une graine, quoi. Franchement, on n'est pas dans l'efficacité, là, un peu? Et surtout, je vous le dis, parce que je sens que ça va être le cas pour certains, ne soyez pas jaloux, ok? On peut pas tout le temps être efficace. Regardez, je le suis pas tout le temps en soi. Mais il y a des moments où on l'est, quoi. Là, on a fait deux graines. Il y avait un écart, quoi, de même pas 30 secondes entre les deux graines. Je gère, c'est tout. C'est pas... Il y en a, ils ont jamais des petits moments comme ça où ils gèrent, malheureusement. Et nous, on en a. Enfin, nous. Moi, j'en ai. Ok, ils peuvent se détruire s'ils se rendent dedans. C'est quoi ce truc? Ah, d'accord. Oh, c'est rigolo.
vraiment jusqu'à ce qu'il reste dans les yeux. Comme ça. Ouais, fallait utiliser pour casser les blocs, ça. Et je sais pas si tu peux les tuer. Ok, on peut. On peut. Évidemment qu'on peut, on est dans l'efficacité donc. Forcément qu'on pourrait essayer à faire des trucs. L'efficacité c'est genre de pousser et de... L'efficacité, attends, je voulais dire l'idée. L'idée c'est de le pousser et de grimper dessus. Tellement à fond sur mon efficacité que j'en oublie mon lexique. Quelque chose à dire? Bon, juste salut. Comme beaucoup d'autres graines. C'est sympa, c'est un niveau où il faut beaucoup utiliser la foreuse. Si t'as pas la foreuse, tu passes à côté de plein de trucs. Ça a pas l'air très stable. Il y a un truc en haut. Comment t'as fait pour arriver là? Eh ben, avec beaucoup d'efficacité. Voilà, tout simplement. C'est le maître mot de cet épisode. Ah, mais du coup, efficacité. Efficacité, mais pour trouver le truc secret, quoi. Du coup, on n'a pas eu le reste. Et du coup, c'est marrant, ça, c'était une fin. Il y avait pas la graine, enfin la fleur sur le chemin, en fait. Ah, c'est intéressant. Ça se trouve, il y avait ça dans plein de niveaux. On va le refaire. Je pense qu'il y a plein de niveaux comme ça, où il y avait des fins cachées. Il fallait faire des trucs un peu tricky pour les avoir. On va utiliser ça pour rusher les niveaux. Hein. Je pense que tu peux les casser en... Alors, fonçant dessus. Je pense qu'on peut. Ok, voilà, on est de retour ici. Ça a pas l'air très stable. J'éviterai de m'appuyer. Ah, stylé. Stylé, il got some moves. Eh ben, ils nous en donnent de la force. Olé! Ah, attendez, est-ce qu'il fallait pas le... Il fallait le faire rouler ici. Mais attendez, l'efficacité. Ah non, merde, ça marche pas. Oh! Ça marche comme ça. Vite dans le tuyau. Ah. Alors. Non, l'efficacité a disparu là, mince. Je pensais que juste en courant il allait taper et accrocher le mur, mais... Mais non. Ce n'est pas grave. L'efficacité est toujours mise. L'efficacité, elle utilise ses power-ups. Parce qu'il ne le fait pas très souvent. Et que cela peut peut-être être triggerant pour les autres. Mais l'efficacité aujourd'hui a décidé d'utiliser les capacités qu'elle possède. Et voilà, fallait juste...
J'avais peur qu'en sautant j'allais rater, mais c'est bon. Donc l'efficacité est mort une fois. Mais c'était pour la science parce que elle ne savait pas si ça pouvait passer ou pas. Et qu'elle avait espoir que ça passerait, mais malheureusement l'efficacité ne passait pas sur le coup. L'efficacité à la fleur. L'efficacité est peut-être relou à répéter ça. Un peu caché. Oh, ça va être fun ça. Je suis en train de capter. Oh, va pas falloir rater un truc, c'est ça. Je sais pas comment on est supposé bien faire la... le tour du truc. Ouais, c'était génial. C'est dommage, c'est toujours les meilleurs qui durent pas longtemps. Ah, ça passe pas. Attendez, tranquille. Et voilà. Bon, l'efficacité est mort une fois. Mais l'efficacité va essayer de... ne plus faire des tests. Et de directement aller vers ce qui lui paraît le plus logique à faire. L'efficacité apprend, c'est ça. Oui, ascendante. Ok, c'est ça, c'est vrai. Et voilà, ça passe, ça. Mais faut le faire au bon moment en fait. Et l'efficacité. Ah, ça vous embouche un coin hein. Prenez-en de la graine! Là, c'est le moment où il faudrait ajouter des rires de sitcom, vous voyez? Ça, pas mal. Je viens de maîtriser les effets. Ouf. Par contre, efficacité ne sait toujours pas lire, hein. Je suis vraiment désolé. Tu as de maîtriser les effets de ce badge. Tu veux que je m'en équipe? Non! C'est un truc auquel je ne penserai jamais. Un peu comme le chapeau qui permet de planer. J'ai pas raté de niveau là. Non, j'ai pas raté de niveau. Laisse-moi deviner, tu peux réparer le pont, mais il te faut ta dose de pièces violettes. Le pont s'est coulé à cause de la chaleur de magma. Je suis censé pouvoir le réparer, mais avec cette chaleur, je ne suis plus pour rien moi. Tiens. Bien, maintenant que j'ai fleuri, je me sens en attaque pour tout. Laisse-moi juste une seconde. Allez, au boulot, que ça chauffe. Bah, ça chauffe déjà beaucoup, là. Et voilà, un pont encore plus vite qu'avant. D'abord, allez à droite, il y a le magasin à droite. J'ai envie de dépenser mes pièces. Surtout si on peut pas dépasser 1000. Un peu de l'argent jeté dans le vent. Ah, d'accord. Ah,
Donc si on la regarde pas, c'est ça en fait. J'ai bien compris. Et vous êtes fou, monsieur. Ah, il réapparaît, ok. Oh oh oh! On fait des choses bizarres! L'efficacité n'aime pas quand Mario fait des choses bizarres. Y'a rien plus haut. Oh là, j'ai failli m'écraser. Oh, t'es regrettable. Mais c'est la suite? Ah non, bah je savais pas que c'était la suite, moi. Ah merde! Ah, je sens que j'ai raté un truc, moi. Ah bah oui, j'ai juste à regarder les blocs pour qu'ils apparaissent. Oula. Oula. Et ah, ça me fait peur, ça, les mobs qui font des trucs bizarres. Et alors, attendez, si je veux avoir... Ah, mais ça avance, en fait. Oui, génial. C'est super intelligent. Qui a designé ça? La fleur, elle est devant, mais les pièces, elles apparaissent derrière. Ouais, c'était sûr que ça allait être une pièce comme ça. Oh, je suis désolé, l'efficacité n'a pas fonctionné cette fois. L'efficacité n'a pas très bien géré. J'ai du mal avec les pentes. Pas très bien comment ça fonctionne. Ah, en fait, ils survivent dans la lave. C'est pour ça qu'ils meurent qu'au moment où le bloc apparaît. Ok. Et que ça fait un effet bizarre qui me fait peur. On prend mieux. Je sais même pas pourquoi je suis mort. Ouais. Enfin. Si, mais je veux dire, pourquoi j'ai pas agi? Vraiment, j'ai laissé la mort venir à moi, quoi. Regarde à toi. Bah, je prendrai garde à moi, alors. Ah, c'est un labyrinthe. Oh, c'est rigolo. Ah, mais on peut pas se planter dans les cailloux bleus, c'est pour ça que... D'ailleurs, on m'a fait un truc bizarre. À un moment. Olé! Pourquoi je joue les pièces violettes alors que je m'en fous? Oh merde! Non, 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 non! Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Rebonjour. Ouh, j'ai eu le feu au cul, c'est le cas de le dire. Ok, alors.
Non mais... Comment t'as fait pour arriver là? Ah oui, ok. Si tu continues à droite, tout à l'heure quand j'ai pris le tuyau, tu es arrivé à ça. Il n'y a pas un délire de... De cacher, non, ok. Par contre, je peux assez avoir le haut. J'aurais dû rebondir sur le mur, peut-être. Info du volcan, accès à la chambre incandescente en bas, attention à la matière en fusion. Si tu me permets d'appuyer sur L pour consulter la carte. Vous êtes là pour sélectionner un stage et vous y rendre directement en appuyant sur A. Voyons de tout, par exemple le badge aimant à pièce qui te permettra de t'enrichir. Tirer pièces et fleurs à proximité. Oh mais il coûtait cher. J'ai plus beaucoup d'argent, enfin plus beaucoup. Allez, on va monter à 40. C'est un petit peu long, mais... Disons que si on pouvait en acheter plusieurs d'un coup, ça serait cool, quoi. Non, parce que même pour faire le 100%, quoi, c'est relou. Hop. Que tu veux changer de badge? Bah non. Sur ton badge, il pue un peu en vrai. On va aller à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un mec encore une fois. Non mais tu vas pas faire battre un vaisseau volant à l'intérieur du volcan quand même. Si? Non mais les mecs, faites ça dans un autre niveau, faites pas ça ici. C'est un putain de volcan. Ça n'a aucun sens. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, on va gérer le niveau. Vous le savez très bien pourquoi. Est-ce que j'ai besoin de répéter? Parce qu'on est dans l'efficacité. Voilà, même lui il trouve pas ça normal. Une forteresse vente ici. Non mais oui, on est d'accord, c'est pas du tout logique. Ils ont pété un câble un peu. Ok, c'est les barres auxquelles on peut s'accrocher, ça c'est ça? Ouais. C'est quoi, tu me fonces dessus toi? Ça c'est bien. Ah trop chaud la pièce. J'ai compris ce qu'il fallait faire mais... Attends. Ah je savais pas que tu pouvais envoyer. Ok bah non j'avais pas compris en fait alors. Oui il y avait des blocs jaunes transparents. J'ai activé un truc. J'ai dû activer un truc sur moi. Ils ont fait disparaître. Bien, je suis content que des niveaux qui avancent, il n'y en ait pas tant que ça. Parce que c'était vraiment un truc dont je suis pas super fan. Mais ça va, si on a juste quelques-uns de personnes ici là. Ouais, en fait, j'avais appuyé sur un bouton au moment. Qui fait disparaître le bloc. Ah, j'oublie que c'est ça à chaque fois. J'étais à rien d'appuyer sur le bouton et de pas pouvoir récupérer la pièce. Je sais pas pourquoi il faut éteindre le feu. Je m'en vais pas utiliser.
J'espère que j'ai pas raté quelque chose. Non, 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 non! Il m'a fait quoi? Attends, il faudra que je revoie, mais il a pas genre tapé le plafond et qu'il s'est pas accroché? Oh non, dommage quoi. Mais oui! Qu'est-ce qu'il me fait? C'est un fou! Faire, faire! Je vais mourir. Pour la fleur. Là, je meurs, mais c'est pour avoir l'efficacité. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Il veut plus s'accrocher de temps en temps. Alors là. Mario, t'as oublié le maître mot de cet épisode, je crois. Parce que là, ce que tu me fais, c'est pas du tout l'efficacité. Non mais Mario, s'il te plaît. Là tu me fais n'importe quoi. Je dis ça comme si c'était mon gosse. Bon là par contre, c'est un concours de circonstances quoi. Ah non mais vraiment, là il m'a fait des trucs, j'ai pas trop aimé quoi. On retourne dans l'efficacité, ok? Il y a eu la pièce, on va pas s'emmerder. Là je comprends pas pourquoi éteindre le feu en fait. Honnêtement je suis pas utilité. Ah mais on peut lui faire les tuer. Voilà, là tu t'accroches bien, tu évites de descendre. En plus t'es juste là quoi. Ouais Mario il a pas voulu faire d'efforts sur ce coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, faut avoir coupé le feu. C'est ini. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Info magma. C'est chaud. J'imagine trop. Accès à la chambre magmatique. Attention à la matière en fusion. Bon, on n'est pas loin quand même. Hein. Info magma. Attention, c'est chaud. Merci, mec. Pavé rôti. Bah écoutez, allons par pavé rôti, quoi. Je voulais faire une vanne par rapport à Paverota ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr de ce que j'allais avancer. Ah, ça fait des popcorn, ok, c'est génial. Non, c'est quoi déjà le... C'est une chose super, ça, un truc comme ça, Paverota, je sais pas quoi. Ah, est-ce que j'étais de l'eau? Ça fait de l'obsidienne. Ah mais du coup, ah trop bien. Je crois que c'est la fin pour moi. Je crois que c'est la fin. Tu m'as sauvé la vie. Eh ouais. Ouais ma gueule.
Est-ce que du coup on peut les casser quand ils sont comme ça? Non. Mince! Dommage. Ah bah adieu à bulle. Je sais pas pourquoi je. J'ai pas réagi plus que ça à la bulle. Allons là-dedans. En haut, il y a un truc en haut. Comment t'y vas de façon legit en haut? Je pense qu'il n'y a rien, j'espère. Purée, si, il y a clairement un truc. En fait, c'était pas. C'est juste une petite fleur pour avoir des pièces. Mais encore une fois, vous voyez la pauvre fleur là? Elles choisissent pas leur vie, ces pauvres fleurs. Hein. Ouais, c'est passé quoi? Ça fait quoi? Ça fait une caisse? Ah oui. C'est la sécheresse là, y a plus d'eau. Oh là! C'est chaud. J'ai trop chaud. Pauvre petite fleur. Cool. Ça ressemble beaucoup à un truc de fin de niveau ça. Oh merde, j'ai raté la fleur. Attendez. Attendez, laissez-moi faire une connerie et après. Non, pas. Merde. Ah, vous pensez que. C'est ouf comme quand je réexplore un niveau à chaque fois. Je prends plein de dégâts du coup derrière. Il faut peut-être de l'eau à elle. Ah ou alors c'était celle-là. Oh, attendez, le power-up il est toujours là. Peut-être de l'eau là. Ok, attendez, faut que je trouve un vase dans lequel il y a encore de l'eau. Avec un peu de chance, j'en ai laissé. Genre là, quand je suis passé, j'ai peut-être laissé des vases. Oh la quête, oh là là. Ah non, mais jamais je vais y arriver. Hein. Ok, non, si. Je vais y arriver. Vous savez pourquoi on est dans l'efficacité? Juste prendre son temps. Yes. Ah oui.
Ok. Du coup, c'était marrant. J'ai rendu la chose plus marrante en fait. On cherchait un pot hyper loin dans le niveau. Et là, le retour de la chaleur. C'était tellement bon. Ok. Mais comment tu passes? On passe au-dessus des trous si on court suffisamment vite. Je sais pas comment réussir à faire ça. Hop là, comme ça. Ça aurait été vachement nul de rater la fleur dans les petits épisodes d'efficacité quand même. Bon, je vous le dis, hein. Comment c'est le chemin à gauche? On va parler à lui, on va voir. Peut-être qu'il va me débloquer le chemin, je sais pas. Je viens au palais pour régler cette histoire, mais je crois que je n'y ferai pas long feu. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter cette chaleur. Oh, j'ai oublié, j'ai quelque chose pour vous, Altesse. Moi j'ai pas accès à gauche, me dites pas qu'il y avait une autre fin. Pensez en terminant un autre niveau. Il y avait peut-être une autre fin. Je me dis ça va peut-être continuer à gauche pour remonter. Bah non mais c'est bizarre parce que... C'est chelou cette histoire. En plus, il y avait beaucoup de trucs dans le niveau, donc s'il y avait un truc secret, j'ai potentiellement pu le rater. Baston du volcan. Raccourci. Quoi, ça permet de remonter vite en haut, ça? Apparemment. Ah oui. Ah, mais du coup, il va peut-être y avoir un chemin secret qui permet d'y arriver en fait, au niveau à gauche. Comme ça. Ce serait cool. Bon, du coup, ouais, j'ai pas mal de trucs à faire là parce que. J'ai tout ce qu'il y a en bas en fait. C'est chiant que ça monte pas tous les fins possibles. Après, si je récupère toutes les graines sur tous les niveaux et que ça ne dit pas que j'ai eu toutes les graines, ça voudra dire qu'effectivement il y avait une autre fin au niveau à ce niveau-là. Ok. Ou à droite là, je peux pas y aller. Faudrait d'abord faire un niveau qui soit à droite. Ok. Donc là je peux faire le niveau en haut si je veux. Mais il y a un niveau tout à gauche qui se débloque à 25. Je pense, je vais supputer que en gros 25 c'est toutes les graines du monde. Imaginons là j'en ai 2. Après je vais en avoir peut-être 2 encore. Ah 2, 4, 6, 8. 10. 12, j'arrive pas à compter. Non, en fait, non, ça ferait plus que le compte. J'en ai 15 déjà. Ouais, non, en fait, c'est pas toutes les graines.
C'est une bonne partie des graines en tout cas. Bref, vous l'aurez compris sûrement, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il a une bonne durée et que on a bien avancé. On a fait 2 étages en soi. Il ne reste vraiment que en bas et puis le niveau, niveau principal en haut avec le château. Et on aura fini avec ce monde et on verra qu'est-ce qui se passe plus tard. Je pense qu'il y a un dernier monde. Le château Bowser, si c'est un monde. Je pense que ça va être un monde à mon avis. Bref, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. L'épisode de l'efficacité. L'efficacité était plutôt bonne. Il y a eu quelques petits moments, voilà, mais l'efficacité était quand même très présente, j'ai trouvé, dans cet épisode. On a plutôt géré. Donc j'espère que ça vous aura plu, pour une fois, de voir de l'efficacité, et que, vous, encore une fois, je vous le répète, vous ne serez pas jaloux de cette efficacité. Et combien même ce serait le cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bref, on se retrouve pour le prochain épisode du coup. Allez, salut tout le monde. Bye bye.